Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, nous espérons que vous allez bien. Je suis Guillaume Biogeau, je suis directeur du Golfe PGA France du Vaudreuil et directeur de l'enseignement ici au Vaudreuil. Et aujourd'hui, une heure absolument géniale. Nous avons passé il y a, je crois, 15 jours, une heure avec Cédric Denis, qui est le créateur de Spider Golf, qui est une application qui vous permet d'analyser vos stats de manière précise, mais j'insiste, extrêmement simple. Et la dernière fois, il vous a expliqué, je dirais en gros, quel était son fonctionnement, quel était le fonctionnement surtout de son application. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet avec deux études de cas, une d'un joueur professionnel, une d'une joueuse amateur. Et je pense que vous allez adorer pouvoir voir, je dirais, rentrer dans les détails d'un comment organiser votre entraînement en fonction de vos stats. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comment ça va Cédric? Est-ce que tout va bien? Est-ce que la Ça santé est va très bonne? Est-ce très que tout se bien, passe ça va bien? très très bien, je te remercie. Merci beaucoup de me recevoir encore une fois. C'est un plaisir d'être là parmi vous et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Avec grand plaisir. La dernière fois que tu es venu, ça avait fait un carton, beaucoup de vues, beaucoup de questions. Donc je pense, nous pensons vraiment que les gens sont en attente et vont pouvoir. L'entraînement, c'est ce qui nous intéresse tous d'avoir un entraînement qui soit efficace. Et pour moi, comme on l'a dit la dernière fois, l'entraînement efficace vient d'une analyse précise de ce qu'on fait et d'une analyse surtout objective. Et c'est ce que donne, je dirais, ce que provide, ce que donne, pardon, ton application. Avant tout, on va être sûr que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. S'il vous plaît, des petits pouces, des cœurs, hein, si vous voulez, mais en tout cas au moins des petits pouces pour nous dire que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Soit des pouces, soit oui, soit en tout cas de nous le dire. Pour être sûr que ce soit du côté de Cédric, de mon côté, est-ce que là vous voyez bien, est-ce que vous nous entendez bien avant de démarrer et qu'on soit obligé de revenir en arrière, est-ce que tout le monde nous entend et nous voit? En tout cas, vous êtes déjà très nombreux à être avec nous, 120 personnes, merci beaucoup. Où il y a des pouces qui arrivent, donc c'est que ça doit aller. Génial, génial. Donc Cédric, deux études de cas. Première étude de cas, joueur professionnel qu'on connaît bien, qu'on a reçu d'ailleurs, que j'ai reçu, quelqu'un d'ailleurs de extrêmement sympathique, super, qui s'appelle Adrien Sadier, qui évolue sur le circuit européen et qui fait un début de saison d'ailleurs qui est excellent. Donc tu vas nous expliquer avec ses stats, voilà où il en est, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait bien, moins bien. En tout cas, tu vas nous dévoiler un petit peu, je dirais, l'envers du décor et ça va être super intéressant. Et deuxième chose, ensuite, tu nous expliqueras Ariel, je crois, c'est ça? Tout à fait. Ariel qui est une élève à toi, parce qu'on sait que tu es aussi, Une de bien mes élèves évidemment, du Golfe de Fourqueux, tout à fait, oui. Tu es pro-PGA aussi, donc une de tes élèves à Fourqueux, quarantaine d'années, C'est ça. 12 d'index, C'est ça. et comment tu as créé son programme d'entraînement grâce à ses stats. Allez, commençons avec Parfait. Adrien, je te laisse la main, explique-nous tout. C'est parti. Adrien Sédier a rejoint l'équipe Spider en début d'année lorsqu'il est monté enfin sur le tour et il a fait un très bon de saison, un très bon début de saison, notamment une 36e place au Dunhill pour commencer. Et là, les deux derniers tournois avant le confinement, T3 à l'Open d'Oman et T10 au Qatar, il fait un excellent travail, c'est de bon augure pour la suite et il travaille magnifiquement bien avec son coach. Donc Benoît du intéressant de Colombier. voir justement. Pardon? Benoît du Colombier. Tout à fait, son coach Benoît de Colombier. Intéressant qu'on salue d'ailleurs s'il nous regarde. Intéressant de savoir, c'est intéressant de connaître et de savoir ses stats. Intéressant pour moi de regarder et surtout de mesurer, notamment sur ces deux dernières parties où T3 et T10, on voit clairement qu'il est au-dessus de la moyenne du tour et qu'il est sur la bonne voie. Pas aussi bien commencé en début d'année, donc on va faire un petit mix des deux et voir justement la globalité de ses performances sur cette année-là. On a à peu près une quinzaine de cartes, donc suffisamment pour faire ce que j'appelle un spider ADN. Donc on va identifier le profil Génial. d'Adrien et ça va nous permettre, avec ce profil, de pouvoir orienter un entraînement, orienter des conseils ou des interventions techniques, stratégiques ou même de process et de visualisation. Génial, génial. Donc là, on va voir, je dirais, si tu es d'accord, si je traduis bien, pourquoi est-ce qu'il a été plus performant sur les derniers tournois qu'il l'a été en début de saison? Alors, de là à splitter les deux et faire la différence, je vais vous le dire et ce sera simple, de regarder, je ne sais pas si on aura besoin de le faire, on pourra toujours le faire, on verra si on a le temps, mais déjà d'identifier son spider ADN, je pense que Très ce bien, sera très bien. suffisamment pertinent Super. pour voir la suite. Mais on pourra faire Génial. les deux, bien évidemment.
un live de lunettes Alors. aujourd'hui de Sébastien Duftel. Oui. Alors Cédric, que je connais depuis longtemps, porte des lunettes depuis pas mal de temps. Moi, à force d'être collé à l'écran depuis le début du confinement, j'ai investi dans des lunettes anti-lumière bleue. Donc c'est pas forcément les plus belles, elles sont pas forcément à ma taille, mais bon, hein, on fait comme on peut. Mais oui, Sébastien, Elles on... sont parfaites. J'ai pris les mêmes, j'en avais besoin, sauf que là, comme j'ai pas les lentilles, du coup, j'ai les vraies lunettes. Alors, Un petit bonjour à est-ce tout le que... monde, à que des gens qu'on connaît, mais c'est ça qui est important. Jean-Philippe Prince, Eric Singer, bien évidemment, Stéphane Chardon, Raphaël Marguerite, bien évidemment. Merci à tous d'être là. Vous êtes déjà 150 personnes et on va essayer en tout cas de vous expliquer avec les stats, l'entraînement va être top. Parfait. Donc Je là, est-ce partage que vous l'écran, tu pouvez me dis voir Cédric quand mon je partage écran? l'écran? Partage d'écran, ça y est, il est partagé. Normalement, ça Allez, devrait c'est être parti, on y activé. est. Donc je vais nous retirer tous les deux, Cédric, si tu es d'accord, pour qu'il n'y ait Parfait. que l'écran. Parfait. Hop là, pas du tout, pas du tout. Et voilà, il n'y a que l'écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Impeccable. Donc là, je suis rentré dans ma communauté. Il y a une Spider communauté au sein de l'appli qui me permet de me connecter soit à mes amis, soit à mes élèves. En l'occurrence, Adrien est un ami et donc il m'a permis, et avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs, de regarder et d'étudier ses stats aujourd'hui. Et donc on va se plonger dans son application, regarder ses stats et les analyser ensemble. Donc on va regarder, comme je vous ai dit, les stats qu'il a fait depuis son début de saison. Donc on va mettre par date. Et on va le faire du 1er novembre 2019 à aujourd'hui. Et voilà le premier écran qu'on a. On a la moyenne déjà globale qui est de 74, qui est très performante. Et ensuite, on a la performance, la toile de performance des clubs. Celle-ci est facile à identifier ou du moins facile à interpréter. Plus la toile est remplie, plus la performance du club est bonne. Donc là, on peut apercevoir déjà deux, trois petites choses intéressantes. Bien évidemment, le putter est plus performant. Et ensuite, ça va commencer à être en petit dégradé. On a un petit point faible sur le pitching wedge. Et 9, 8, 7, 6, ce que j'appelle les clubs d'attaque de green, pourraient être également aussi un petit peu plus performants avec les autres toiles que j'ai pu voir des joueurs du tour. On a un algorithme au sein de l'application qui va nous sélectionner les clubs pour nous, donc les clubs les moins performants, et on peut les voir sur le bas milieu de l'écran, faire 5, faire 6, faire 7, faire 4, pitching wedge. Et après, on pourra le corréler avec l'entraînement, mais on verra ça tout à l'heure. Donc là, la première chose, c'est que je commence déjà à regarder la toile et à voir des petites choses qui m'intéressent, notamment, comme je vous ai dit, sur les attaques de green. Maintenant, en cliquant sur un des clubs, n'importe quel club, ça nous permet de rentrer à l'intérieur, et donc on va pouvoir voir la dispersion de chaque coup. Donc je rappelle, les infos. Donc les points bleus sont les balles bien touchées, identifiées comme bien touchées par le joueur. Les points gris sont les mal touchés. Le point rouge, c'est la moyenne de tous les points qu'on voit à l'écran. Et le petit cercle bleu, alors en l'occurrence, il est très précis en profondeur sur celui-là, donc on ne le voit pas, mais on le verra sur les autres grids. C'est 68% de probabilité de mettre le prochain coup dans cette zone. On a en bas le nombre de coups à gauche, en bas à gauche, le nombre de coups à l'intérieur du rayon. Le rayon qui est affiché est de 16 mètres, mais on peut bouger ce rayon avec le zoom pour le rendre plus précis. 8 mètres, 4 mètres, 2 mètres. Très intéressant pour l'analyse. On va le laisser à 16 mètres pour le driving. Ensuite, on a au milieu, en bas de l'écran, la dispersion latérale, ensuite la dispersion verticale et le pourcentage de bien touché. Encore une fois, très pertinent pour évaluer la qualité et la performance des coups. Donc, ce que je vais faire, c'est avec mon doigt, je vais faire un petit swipe de tous les clubs du sac pour commencer à identifier La comment dire, la tendance. dispersion des coups exactement et la tendance. Merci Guillaume. Donc, du coup, driver était plutôt au centre et une dispersion en profondeur très correcte. Le bois 3, légèrement à gauche, mais encore une fois, très correct également. Utility, c'est là où on voit qu'il dispatche un petit peu plus, surtout sur un rayon de 16 mètres, il pourrait avoir un petit peu plus de précision, sachant qu'on sait que le Utility est un club qui devrait nous donner un petit peu plus de précision. Donc, à voir dans quelle situation il l'utilise et comment il l'exploite sur le terrain. Excusez-moi pour les messages. Il n'y a pas de Donc, on problème. enchaîne et là, on est au fer 4. Le fer 4 est un petit peu plus grand, donc on voit que les coups sont un petit peu plus espacés. Mais si vous remarquez bien, on est passé à 8 mètres de rayon. C'est un petit peu plus précis. Ce rayon-là est intéressant parce que
ça permet de viser le milieu du green et 8 mètres de chaque côté nous assure quasiment à chaque fois une balle sur le green. Donc ça peut être aussi une bonne preuve d'identification si la balle est arrivée sur le green ou pas. Mais bon, passons. Et on a le nombre de coups en bas à gauche de 15 à 35. Donc là, il a 15 coups sur 35 coups de fer 4 qui sont dans un rayon de 8 mètres. À voir si c'est précis ou pas. J'aimerais aller un petit peu plus loin. Là, ça me pose un peu plus de problèmes avec le fer 5 parce qu'il en a seulement 4 sur 12, toujours avec le même rayon de 8 mètres. Pareil pour le fer 6, il n'en a pas la moyenne, 10 sur 29. Le fer 7 avec une tendance courte, encore une fois en dessous de la moyenne, toujours sur le même rayon de 8 mètres. Fer 8, on approche la moyenne, enfin on est un petit peu plus, on est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais ce n'est pas encore très convaincant. Fer 9, non plus. Pitch, non plus. Gap, sand, et c'est là où on peut commencer à voir par rapport à la performance des coups de fer qu'on a vu dans la toile, que cette performance est vraiment une performance de dispersion, et ça ce serait un point qui serait intéressant pour moi d'exploiter, et on va maintenant s'en occuper. Je vais juste vous signaler une chose que j'ai vue qui était très intéressante, regardez l'écart de dispersion qu'il y a entre le lob wedge, le sand wedge, et le pitching wedge, et le gap. Gauche, droite, gauche. Là, ce serait intéressant de voir s'il y a peut-être un problème de lie sur le club, mais ça m'étonnerait à son niveau, bien évidemment, avec le canon du tour qui est disponible, mais ça peut être possible. Mais ça peut aussi jouer sur la trajectoire qu'il décide de faire sur ce type de coup avec ce club qui pourrait jouer sur la dispersion, car il y a un écart de dispersion, tendance légèrement à droite avec le gap, tendance à gauche avec le sand wedge et retendance milieu droite avec le lob. Donc, peut-être encore une fois, à creuser si c'est nécessaire. Mais concentrons-nous sur ce qu'on a vu, ce qui est les attaques de green, les fers d'attaque de green, et ce que ça va donner justement sur la suite du jeu. Pour voir ça, je vais dans mon onglet coach. Mon onglet coach va compartimenter tout le jeu, donc par 5 compartiments, et ces 5 compartiments sont classés par stroke gain. Vous voyez qu'il a un stroke gain total de 1.396, qui est positif et donc qui est meilleur que la moyenne du tour. En l'occurrence, cette moyenne-là, elle est quand même déjà relativement haute et de voir que le chiffre est au-dessus, c'est une très belle performance, sûrement notamment grâce à ces deux derniers tournois. Mais on a le plus mauvais stroke gain, donc qui est négatif très légèrement, qui sont les attaques de green. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va creuser ce facteur-là. Et donc là, on peut voir que sa tendance des attaques de green touchées totales reste courte, en dessous de 100 mètres, courte par rapport au green, de 100 à 150 mètres, courte également, et au-dessus de 150, court. Donc tout est un petit peu court, est-ce que c'est un petit peu trop conservateur, est-ce qu'il y a encore quelque chose à optimiser là-dessus? On prend ce point et on avance. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est les attaques de green touchées. Donc on va dans le sac, et dans le sac, on va regarder les attaques de green, et on va regarder les pourcentages. Et donc là, on peut voir que le fer 7 est qu'à 60%, si je compare avec les autres joueurs du tour qui sont sur la base de données, c'est inférieur à ce chiffre. Le fer 8 également, et le pitching wedge. Donc on a déjà des clubs qui sont inférieurs à la moyenne sur les attaques de green touchées, malgré le fait qu'ils touchent déjà pas mal de green, mais on sait qu'il peut les optimiser et être un petit peu plus près. Donc pour ça, on va essayer de creuser encore un peu plus et d'aller plus loin dans l'analyse. Et donc, on va se diriger vers la dispersion cible drapeau. Maintenant, et grâce à Spider Golf, on a la possibilité d'avoir la dispersion totale par rapport à la cible en rapport avec la dispersion par rapport au drapeau. Comme ça, on va pouvoir voir si un joueur est trop agressif, ne l'est pas assez, et surtout sa dispersion par rapport au drapeau, comment il se situe par rapport au benchmark, par rapport à la référence. Là, en l'occurrence, que ce soit de 60 mètres à 90 mètres, entre 6,80 m et 8,90 m de dispersion, c'est pas suffisant, ça manque de précision et on sait qu'il peut gagner des points là-dessus. Alors il y a pas énormément. Excuse-moi, je te coupe pour que nos internautes, nos auditeurs aient une petite idée justement sur tu disais que Cadrien est entre 6,80 m je crois et 8,90 m. Qu'est-ce que le benchmark pour un joueur à moins que tu peut-être que On va enlever des chiffres que je suis en train de voir. On peut enlever 1 mètre, 1,50 m sur chaque chiffre au minimum. D'accord. Ok, super. Très intéressant. C'est un petit peu, et c'est marrant parce que c'est assez régulier par rapport à tous les chiffres que j'ai pu voir sur toutes ces distances. On est à peu près entre 1,20 m et 1,50 m où on peut gagner. Et on sait très bien que ce 1,50 m qui va devenir la dispersion
moyenne des putts restants va faire énormément de différence sur le pourcentage de putts rentrés. Donc, c'est un point pour moi crucial à améliorer dans son jeu et je le vois grâce à ces chiffres-là. Alors, il est relativement agressif parce qu'on voit que sa cible est la même que le drapeau, donc il ne prend pas trop de marge. Mais malheureusement, ces distances, notamment, on peut voir une distance entre 130 mètres et 140 mètres à 10 mètres 70, là où le tour est à, je crois, 6 mètres 80 ou 7 mètres 20. C'est là où on peut voir la différence et elle est plus importante à certains endroits, mais on pourra justement pointer ces endroits et les entraîner juste après. Est-ce que la règle, la fameuse règle des 5% de dispersion par rapport à la distance, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant pour nos internautes, pour nos auditeurs, pour Alors, je globaliser me un petit suis rendu peu? compte, oui, oui et non. Oui, D'accord. c'était un petit peu trop. Enfin, ça peut être une référence. Malheureusement, cette référence, elle est trop générale. Et D'accord. je me suis rendu compte que ce 5% n'est pas respecté au fil des distances. Elle, c'est évolutif. Et donc, ça va entre 5-5. Ça peut aller jusqu'à 7 même, un D'accord. petit peu plus loin. Et en plus de ça, il faut faire très attention parce que ce 5% est biaisé si on parle de tous les lies confondus. Il faut D'accord. aussi voir que la dispersion du fairway sera bien évidemment plus précise que celle du rough. Bien Donc, sûr. encore une fois, à voir si on peut préciser. C'est D'accord, plus du important de fairway, du faire cette rough en règle. fonction du lie. Tout à fait. Jusqu'ici, absolument génial. Moi, ce que j'adore, c'est que déjà, comme tu le dis, je pense qu'on est au tout début, mais il y a un vrai ADN qui est en train de se produire. On voit que, enfin, qui est en train de se dessiner. On voit que malgré les très bons résultats, il y a encore des zones d'amélioration, ce qui est génial. Pour nos auditeurs, est-ce que vous avez, parce que c'est l'intérêt d'un Facebook Live, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous intéresse? Si vous trouvez ça super intéressant, des pouces ou des cœurs. Si vous trouvez ça pas très intéressant, on a besoin de le savoir, des Bien petites sûr. têtes qui vont pas bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y, Cédric, Je n'hésite pas à continuer. Je me permettrai peut-être de t'interrompre par moment t'en prie. Je t'en s'il y prie, a je des t'en prie. questions, mais a priori, des pouces arrivent. Donc voilà, des pouces, des cœurs pour nous dire si ça vous plaît. N'hésitez pas. Si ça vous plaît pas, faut nous le dire aussi. Et on s'adaptera. On est là pour vous. Bien sûr. Je poursuis donc avec la dispersion globale qu'on avait identifiée comme un petit peu trop élevée. Et justement, on va la mettre en corrélation directement avec le Strokes Gain, étant donné qu'il se mesure à cette valeur lorsqu'il joue sur le tour. Et donc, on va sur le Strokes Gain par distance. Et on peut apercevoir que les distances qui nous posaient problème, qui sont, alors, 80-90 mètres, là où il était à 9 mètres 70, il est à moins 0,143. C'est un chiffre relativement consistant par rapport à cette donnée. Et ensuite, on va voir de 100 mètres à 160 un chiffre négatif. Et ce chiffre négatif prouve bien que sa dispersion par rapport à la moyenne du tour, car si je rappelle la définition du Strokes Gain, c'est une référence basée par rapport à la moyenne des joueurs du tour, là où on gagne ou on perd des points au vu de cette moyenne, si je peux résumer ça rapidement. Oui, Et donc donc c'est là, en l'occurrence, pour résumer, c'est vraiment un comparatif par rapport aux autres, par rapport à la exactement. Et moyenne donc des là, ce autres. comparatif nous dit qu'il va perdre des points entre 100 mètres et 160 mètres. Et c'est ce qu'on avait identifié tout à l'heure avec les clubs, qui sont ces clubs d'attaque de green. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est maintenant, on est sûr de l'évaluation, on est sûr de l'assessment, comme on dit. Et du coup, on peut commencer à mettre en place un planning, un programme, et le mettre dans Spider Practice pour pouvoir l'évaluer, car c'est très important d'évaluer, c'est une base de la mesure, et qui ensuite va nous donner des informations qu'on pourra utiliser pour voir si oui ou non les intégrations techniques sont bénéfiques, ou alors est-ce que l'entraînement est bien ciblé. Petite question, Cédric, par rapport Oui. justement à la manière de rentrer ses stats de Domitien Gomel. Comment faire pour remplir les données de mesure par rapport au drapeau? Mesure Bushnell, point d'interrogation. Donc, comment est-ce que les gens vont remplir? Tout simplement, c'est. Toujours. Il faut toujours utiliser la distance par rapport au drapeau, étant donné que le Strokes Gain est calculé avec la distance du drapeau. Donc, n'importe où vous êtes sur le terrain, quoi qu'il arrive, cette distance est importante à rentrer si vous voulez exploiter le Strokes Gain derrière. Donc, oui, je peux conseiller une Bushnell, ou alors si vous avez une montre qui vous donne la distance précise, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais quoi qu'il arrive, il vous faut un moyen de mesure pour avoir une distance la plus précise possible, pour bien évidemment avoir des datas les plus précises possibles. Et on une question de Yves. Yves Strobé, alors peut-être que l'appli utilise-t-elle le GPS pour le calcul des distances? Non, j'ai fait le choix de ne pas l'intégrer parce que je trouve le GPS pas suffisamment précis aujourd'hui. Je pense que ça va l'être demain et après-demain.
Mais je préférais attendre et faire confiance à une simple Buchnel que la plupart des joueurs ont et commencer comme ça. Mais effectivement, ce sera dans un futur développement. Ok, Je super, poursuis? super. Fantastique. Alors, on a regardé que les attaques de green sont à travailler. On a noté que avec les datas qu'on a eues et surtout l'influence de ces datas par rapport à la performance, les deux compartiments les plus importants et qui vont influencer sur la performance le plus sont les premières attaques de green et le premier putt. Donc même si le putting, où là il a un stroke gain positif de 1,061, ben, j'aimerais quand même le regarder parce que ce qui est bon peut toujours être meilleur. Et surtout sur un compartiment aussi important que ça. Et donc du coup, je vais d'abord me concentrer sur la dispersion. Donc je vais regarder par rapport au grid, comme on l'a vu tout à l'heure, sa dispersion et sa gestion de contrôle de distance. On sait à quel point la distance est importante, surtout sur les joueurs du tour et la qualité des greens et la difficulté des greens sur lesquels ils jouent. Donc on va regarder. Là, il y en a un petit peu partout, mais c'est quand même bien condensé vers 1 mètre, 60 cm, 1 mètre du trou. Mais on va le faire par distance et on va regarder. Donc là, il est au-dessus. Là, ce que j'aime pas, par exemple, je trouve qu'il a pas mal de balles qui sont un petit peu courtes dans les distances de 2 mètres à 3 mètres. Ça pourrait être un petit point à travailler qui ait un petit peu plus d'agressivité à cette distance. Je poursuis. Là, il est un petit peu plus agressif. Quelques putts courts, mais plus agressif. Donc ça va. Bien retrouvé sur 5-6. 6-9, par contre, on retrouve un petit peu le même problème. Où là, je considère des lag putts. Enfin, peut-être pas 6, mais en tout cas 9, oui. Et là, encore une fois, il y en a beaucoup qui sont courts. Donc, à voir s'il y a une optimisation à réaliser sur ce point-là. 9-12, d'ailleurs, il est presque plus précis à 9-12 qu'à 6-9. Et au-dessus de 12, bien évidemment, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, c'est différent. Mais en mettant ça de côté, on a déjà eu quelques infos sur les 2-3 et les 6-9. Donc, on va poursuivre cette analyse et on va aller à l'intérieur et regarder le putt de pourcentage de balles rentrées par distance. Et là, j'ai été agréablement surpris, étant donné que quasiment toutes ces datas sont déjà au-dessus de la moyenne du tour européen. C'est très impressionnant, j'ai rarement vu ça. C'est un excellent putter. Oui, c'est son meilleur compartiment, on l'a vu. Et là, pour le coup, en pourcentage rentré, c'est le cas. Donc, bravo. Mais en allant un petit peu plus loin sur l'analyse, on va prendre en compte ces putts de birdie et ces putts de par, et voir si peut-être par exemple le process ou le mental pourrait être à optimiser encore pour qu'il soit toujours et encore meilleur. Donc en putt de birdie, on voit qu'il est 100%, 70% et 75% jusqu'à 3 mètres sur 28 coups, c'est absolument extraordinaire. Ça prouve une force gigantesque. Et on peut même parler du 52% de 3 à 4 mètres. Ça aussi, c'est sublime. Mais ensuite, on va regarder les putts pour par. Et les putts pour par, on se rend compte, c'est pareil, 190, 50, je suis d'accord, c'est très performant, mais regardez maintenant comment le chiffre tombe de 3 mètres à 6 mètres. Et sur 18 coups, on est seulement à 16% de réussite entre 3 et 6, alors que si je regarde de 3 et 6 pour birdie, on est à 52%, 30% et 20%. Donc ce qui serait intéressant, ce qui serait intéressant à mettre en place et à noter, c'est que peut-être que le process change, peut-être que sa façon de putter pour le par n'est pas la même que de putter pour le birdie, il est peut-être plus agressif, il est peut-être plus, enfin, plein de choses qui pourraient nous donner ces informations et qu'on pourrait exploiter, notamment dans l'entraînement du putting. Ouais, excuse-moi, je te coupe parce que c'est extrêmement intéressant quand on voit justement cette différence pour la même distance et et je dirais des pourcentages de réussite qui sont complètement différents. Là, c'est un travail qui peut être extrêmement intéressant, bien évidemment, avec le coach. Mais on se doute qu'un joueur aussi performant qu'Adrien Sadier, plus de partage d'écran, Cédric, c'est pas grave. Non, non, aucun Ah souci. pardon, non, 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 aucun excusez-moi, c'est problème. pour rediscuter avec toi, c'est pour Bien ça. sûr, c'est beaucoup mieux. Qu'un joueur aussi performant qu'Adrien Sadier, on se doute bien sûr qu'il a un préparateur mental, et ça, c'est des choses qui sont extrêmement pertinentes et intéressantes à mettre en avant avec un préparateur mental, et de lui dire, bah, très, très, très bizarre. Pour le par, pour le birdie, très compétent. Pour le par, pour exactement les mêmes distances, beaucoup moins compétent. Donc c'est pareil. Qu'est-ce que c'est intéressant de voir qu'en fonction de la distance, mais aussi de l'importance du putt, même si un coup est un coup, on le sait, l'aspect psychologique rentre forcément en action et c'est bien de le savoir.
Et de savoir, dans ces cas-là, en tout cas moi en tant que coach, tout de suite, OK, qu'est-ce que tu fais quand tu potes pour birdie à cette distance? Quel est ton état d'esprit? Qu'est-ce qui fait que tu vas être plus performant? Est-ce que quand tu potes pour le par, t'es dans une situation de danger qui t'inquiète? Est-ce que quand c'est pour birdie, c'est pour gagner un point, donc il y a une dynamique qui est bien meilleure? En tout cas, je trouve ça absolument génial et très intéressant que de pouvoir le savoir. Quelques questions de Thomas Burgui, concours de lunettes. Oui, Thomas, mais Thomas a dit quelque chose de très intéressant avant. Cédric, qui je pense va te plaire. Tant mieux. Faut que je le retrouve, mais c'était assez sympa et je pense oui que ça va te plaire. Obligatoire dans toutes les écoles de golf. Oui, ça serait bien. Beaucoup, beaucoup, C'est mais ça, inévitable. je ne t'apprends rien, Cédric. Beaucoup de gens demandent bien évidemment sur Android. Laurent Poncelet, ça arrive fin d'été, début septembre, a priori. Oh, je serais pas aussi enthousiaste, mais c'est effectivement ce qu'on vise. Donc, on va faire le maximum pour vous le sortir le plus tôt possible. C'est difficile de sortir une date aujourd'hui. Ok. Génial. Écoute, effectivement, là, je pense que pour Adrien Sadier, on a l'ADN d'Adrien Sadier et on sait que sa grosse compétence est au putting, que son jeu de fer est certes très bon, bien évidemment, mais est tout à fait, il y a une vraie amélioration encore possible. Donc, on imagine qu'en gardant cette qualité de putting avec une amélioration au niveau des attaques de green meilleures, qui dans ton spider coach, on voit que c'était la moins bonne en cinquième position étaient les attaques de green. Bien C'est sûr, ça qui est absolument bien sûr. génial. On sait qu'il sort de plusieurs tournois où il a extrêmement bien joué et il y a encore une marge de progression. C'est absolument génial, en tout cas, de voir où est notre compétence, où est notre faiblesse, et de pouvoir s'entraîner justement là où ça va moins bien. Ce qui est absolument génial, c'est que tout le monde est mis à contribution avec ton application. Je m'explique. Là, on a vu que quand on compare le taux de conversion pour birdie et pour le par, il est de temps en temps extrêmement différent. D'où le travail avec un préparateur mental, si bien évidemment vous en avez un, et cette réflexion à avoir. On sait par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, qu'entre le gap wedge, le lob wedge et le sand wedge, il y avait des variations droite-gauche, gauche-droite. Le lie peut être mis en cause, donc le fitter peut être mis en cause. Et bien évidemment, pour tout le reste, le coach, là aussi, peut-être, enfin mis en cause, c'est pas le bon terme bien évidemment, mais en tout cas, il peut y avoir une réflexion avec le fitter pour les... Je dirais Bien aussi pour la sûr. profondeur. On a vu avec le fer 7 que d'une manière générale, il Bien était un sûr. peu court, mais encore plus avec le fer 7. Est-ce qu'avec le fer 7, bah, peut-être qu'à ce moment-là, le loft n'était pas en relation avec le reste du sac. Enfin, je trouve que c'est ça qui est absolument génial. C'est que John Lawson, qui avec Rémi Bedu, Lewis Wallace, Cyril Loguasigo et moi-même fait partie de cette petite task force pendant le confinement, excellent fitter, utilise quotidiennement aussi avec ses élèves ton application qui met en avant de temps en temps des vraies problématiques de matériel aussi. Donc là, grâce à ça, et tu l'as dit, je trouve que c'est le bon terme, vous avez l'ADN de votre jeu et on a vu l'ADN d'Adrien Sadier. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur Adrien Sadier ou est-ce que tu veux passer directement à ton élève? Après, ce qu'on peut faire, on peut transcrire ça en utilisant Spider Practice et commencer à parler de ça. Bien Et sûr, ensuite, on pourra avec grand ensuite plaisir. basculer sur mon élève. Comme ça, on Tout fait à un petit fait. peu les deux pour vous donner une idée de comment on pourrait Est-ce que tout va bien exploiter. pour tout le monde? Est-ce que vous nous entendez? Il peut y avoir des micro-coupures. Hein. Au Vaudreuil, pour tout vous dire, je suis en 4G. Le temps dehors, c'est la tempête. Donc on sait qu'il y a des micro-coupures. Gardez en tête que tout ce qu'on fait aujourd'hui est enregistré en qualité HD. Donc si certains d'entre vous le souhaitent, je peux fournir ce live à tout le monde. Pas de problème, on peut le repasser sur les antennes du Journal du Golf, sur le Facebook de Cédric, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin de plus et si ça a coupé, n'hésitez pas à nous le dire. Autrement, des pouces ou des cœurs, et on est ravis. Je repartage mon écran, Guillaume. Je ne sais pas s'il est disponible. Il est absolument disponible. Et nous, on vous laisse. Non, pas du tout. Et voilà. Parfait. Donc là, on rentre au cœur de la fonctionnalité Spider Practice. Ce qui est bien avec le Spider Practice, c'est une fonctionnalité premium de l'appli, mais elle n'est pas obligée d'être utilisée en corrélation avec les data. Bien évidemment, c'est mieux. Et c'est mieux d'avoir ces informations parce que le practice est plus ciblé et vous avez un petit coach interactif qui vous aide. Mais même si vous ne voulez pas prendre vos data sur le parcours, vous pouvez quand même prendre le premium et exploiter Spider Practice en indépendance et utiliser ce mode-là juste pour vous entraîner et pour mesurer votre entraînement. Pourquoi la mesure de l'entraînement est importante? J'aimerais vraiment insister là-dessus.
Je le dis un petit peu trop souvent, mais j'aime bien me répéter, les chiffres ne mentent pas. Et très souvent, c'est la même chose dans notre swing. La perception est quasiment à l'opposé de la réalité. On pense faire quelque chose et c'est pas ce qu'on réalise. Et c'est pareil pour les data. On pense faire une bonne séance et c'est peut-être pas forcément le cas. Ou inversement, on pense faire une mauvaise séance qui finalement est en progression par rapport à une tendance et à un travail continu. Donc pourquoi? Pour gérer les objectifs moyens et long terme. Bien évidemment, valider les objectifs court terme, mais long terme, moyen et long terme, ce qui est la base du golf, on a tendance à évoluer en dents de scie et c'est important de regarder la big picture, si je peux dire. Et ces chiffres-là, ces entraînements, le fait de pouvoir les garder, les sauvegarder, le fait de pouvoir les étudier a posteriori et de pouvoir les partager avec son coach, et ça donne justement une force à votre entraînement. Et je pense que Guillaume partagerait mon avis là-dessus. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de passer des heures et des heures sur le practice. Vous préférez aller directement au tee du 1 pour jouer votre partie et on partage tous ce sentiment. Cependant, même si vous avez un petit 10 minutes ou un petit quart d'heure ou même une petite demi-heure et vous savez que cette demi-heure, elle sera qualitative parce que vous savez où travailler et vous savez comment le faire, je pense que ça peut accélérer votre progression. En tout cas, je l'espère. Je suis d'accord avec toi et je vais rebondir dessus, Cédric, si tu me le permets. Plaisir. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup de temps avant d'aller sur le parcours. Donc, que le temps que vous avez, il faut qu'il soit efficace. Mais quoi qu'il arrive, il faut que le temps que vous allez passer au practice soit efficace. Trop souvent, quand je dis trop souvent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent, vous avez tendance à vous entraîner sur des compartiments du jeu que vous aimez et pas forcément sur des compartiments du jeu nécessaires. Donc, oui, Ce qui vous rend confortable, d'être exactement. efficace dans votre entraînement est quelque chose pour moi qui est absolument primordial. Donc oui, à la fois, il y en a qui ont peu de temps et qui ont besoin d'efficacité, et d'autres d'entre vous qui ont du temps, qui veulent s'entraîner, mais n'hésitez pas à vous entraîner efficacement, et Spider Practice va énormément vous aider pour ça. Exactement. Donc là maintenant, je vais vous démontrer rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas vu la dernière fois, les modes de Spider Practice. Donc nous avons un Spider Test qui est un test standardisé avec des distances prédéfinies, un ordre prédéfini. Tout le monde va faire le même test et donc on pourra aller sur tous les clubs du sac et avoir bah, le Spider ADN de l'entraînement en gros. Et tous les coachs peuvent l'utiliser avec leurs élèves. Ils auront le résultat dans leur Spider communauté. Ça peut être des challenges, ça peut être des jeux, c'est très fun. On a maintenant le mode cible. Le mode cible, c'est le mode par rapport à la distance, c'est-à-dire quand vous avez besoin de travailler une distance en particulier. J'aime bien utiliser ce mode-là pour travailler le petit jeu, comme ça vous pouvez vous mettre à une distance du point de chute ou du trou et ensuite travailler en mode random, c'est-à-dire en mode aléatoire ou en mode block practice, c'est-à-dire en mode de répétition. Tout dépend comment vous voulez orienter votre entraînement. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez avec ce mode-là. Et donc là, en l'occurrence, on avait vu que Adrien, de 60 à 100 mètres, pouvait avoir un petit peu plus de régularité. Et surtout, on avait identifié, rappelez-vous, au niveau du lob wedge, du sam wedge et du gap wedge, il y avait un écart de dispersion, soit dû à la trajectoire, soit dû au lie, soit dû à la façon dont il jouait le coup. Ce serait intéressant d'évaluer ça un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus loin dans l'évaluation et du coup, lui proposer un exercice bah, de 60 à 100, 15 balles ou même 20 balles. Et on commence, et là l'application va vous donner une distance. Cette distance, si vous avez un trackman derrière vous, elle sera facile à valider. J'allais y venir. Oui. J'allais y Sinon, vous venir. pouvez toujours observer. La combinaison. Alors, bien évidemment, vous êtes 150 à nous regarder. Je pense que malheureusement, vous n'avez pas tous pour l'instant, toutes et tous, un trackman. Mais pour ceux qui l'ont, l'association des deux est absolument extraordinaire. Et on peut avoir ça avec d'autres outils de mesure Oui, bien également. sûr. Trackman étant Absolument, le plus absolument, facile. absolument. Bien sûr. Et donc, avoir cette information, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser les différentes cibles que vous avez au practice pour pouvoir évaluer et évaluer correctement. Mais bien évidemment, pour un joueur du tour comme Adrien, ben, j'aimerais que son lie soit un fairway du tour. Si jamais je lui demande de faire ce test-là du rough, j'ai envie que le rough soit aussi en rapport avec ses conditions de jeu. Et là, on va commencer à avoir une analyse qui sera pertinente et fiable. Donc, du random, il choisit son club. Il choisit son coup. Bien évidemment, il choisit son coup, mais il peut aussi choisir sa trajectoire. Peut-être que je peux lui demander de faire ce test-là qu'avec des draws, ou alors qu'avec des balles relativement basses, ou qu'avec des balles avec un spin élevé, pour justement accroître sa perception, sa visualisation, son process, ou même sa façon de faire les coups, et identifier ce qu'on a pu voir tout à l'heure, si c'est un point important ou pas. Donc, le mode cible qu'on peut utiliser sur les distances. Là, je l'ai fait entre 60 et 100, mais on l'a vu tout à l'heure, on peut aussi le faire entre 100 et 160.
Mais étant donné qu'on a Excuse-moi, identifié des tu l'as fait clubs entre avec lui. 60 et 100, tout à fait en relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure chez Adrien. Tout à fait. Et donc, on a aussi le mode club, où là, on va se concentrer essentiellement sur des clubs. Et les clubs qui nous intéressent, 7, 8, 9, pitch gap, par exemple. Et là, c'est pareil, dans un mode random, où l'application va vous donner des clubs aléatoires à taper, 5 balles par club, 10 balles par club, vous choisissez votre temps d'entraînement. Et après, c'est parti, vous prenez votre fer à 8. Et toujours pareil, vous visez quelque chose. Il faut qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait une mise, il faut qu'il y ait une mise de pression, il faut qu'il y ait un process en place qui vous mette le plus possible en relation avec les conditions de jeu. Comme ça, ce mode, ce que j'appelle inconfortable, deviendra le plus confortable possible et vous pourrez ensuite le transcrire dans le jeu. Combien de fois on entend j'ai du mal à transcrire mon entraînement et le mettre sur le parcours? Mais grâce à ce mode de fonctionnement et d'entraînement, vous allez pouvoir le faire un petit peu plus facilement. En tout cas, j'espère. Donc, la même chose, vous indiquez avec votre pouce et ensuite la qualité du contact. Vous avez une barre de pourcentage qui évolue dans le bas de l'écran et qui va vous donner votre résultat. Donc, ça peut être une bonne motivation. Donc là, si je vais très, très vite, excusez-moi, c'est pour ensuite aller à l'analyse. On arrive à l'analyse, on a le score total en haut à gauche, on a le pourcentage de qualité en haut à droite. Ça peut bien sûr être des benchmarks qu'on donne à son joueur avant de passer le test. Comme ça, ce sont des références qui nous intéressent. Et ensuite, on peut aller dans chaque club et regarder la dispersion et la comparer avec son ADN qu'on vient d'analyser. On a la possibilité également d'avoir le détail de chaque coup. Et ce qui est intéressant avec le détail de chaque coup, c'est qu'on peut voir les clubs, les balles qui sont bien touchées et les balles qui sont mal touchées. Est-ce que c'est plutôt mes premières balles? Est-ce que c'est plutôt ma séance qui était en milieu de séance? Comment était ma concentration? Est-ce que j'ai réussi à rester concentré pendant tout le test? Et donc, encore une fois, des informations intéressantes à exploiter. Hyper intéressante. On a quelques questions, Cédric. Bien sûr. On a une question d'Anne-Marie Nathan qui nous dit. Hop là, je nous rajoute. Qui nous dit Anne-Marie, les données de vos abonnés sont-elles centralisées et anonymisées, pardon, par index? Pour Bien avoir sûr. des profils génériques auxquels les joueurs peuvent se comparer, sachant évidemment que ce profil sera d'autant plus exact que le nombre d'abonnés par index sera important. Sachant que, avant de te laisser répondre, Raphaël Marguerie, pour des données pertinentes, il faut 5 parties de 18 trous pour nous permettre d'avoir un profil de joueur correct. Plus on a de données, mieux c'est, bien évidemment. Mais est-ce que tu as, comme tu le dis, des benchmarks en fonction des niveaux, auxquels les joueurs peuvent se comparer? Pour résumer la Oui, question d'Anne-Marie. nous avons fait les benchmarks, nous sommes en train de les implémenter. Je l'ai déjà présenté, le nouveau dashboard, donc le coach dashboard réservé au coach lors de la première certification Spider Golf Coach qui s'est passée la semaine dernière. Et j'ai montré les benchmarks qu'on a intégrés. Ces benchmarks-là vont être intégrés progressivement au sein de l'application pour les utilisateurs, bien évidemment. Et pour répondre à sa première question, oui, toutes nos données sont anonymisées, elles sont sécurisés. Nous sommes bien évidemment en lien avec la RGPD et nous faisons très attention là-dessus, c'est très important. Et lorsqu'on va dans la Spider Community, il y a une demande d'amis ou une demande d'élèves de connexion pour pouvoir partager ces datas et il faut que cette connexion soit acceptée des deux côtés avant de pouvoir communiquer. Donc les benchmarks sont présents et on va les intégrer progressivement par tranche d'handicap ou même par tranche de score et ensuite les données anonymisées, bien évidemment. D'autres questions de Matos Oui. Oblicus. Cette appli peut-elle être pertinente avec une simple montre GPS? Bien sûr, si la montre GPS est suffisamment précise pour vous donner la distance au drapeau, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas, oui. Ou alors adapter la distance, mais vous pouvez remplacer votre Bushnell par une montre et même le layout du terrain, enfin le dessin du terrain, qui vous donnera une idée de là où vous voulez jouer ou vous pensez jouer. Bien évidemment, toutes les aides qui pourront s'implémenter à Spider sont bénéfiques. Autre question de Roche Flores. Si on n'a pas de Trackman, peut-on se fier à un radar ES14? Bah, je pense que tout est relatif. Le but du jeu, ce n'est pas enfin, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si le plus important est la qualité de la mesure ou la qualité de la constance de la mesure, de la variabilité. Effectivement, si vous tapez deux fois le même coup et ça monte 120 mètres et 140 mètres derrière, ça va être biaisé pour vos datas. Maintenant, est-ce que les datas sont suffisamment écartées pour que ce soit important?
Bah, prenez en compte que plus votre niveau avance et plus vous êtes proche des joueurs du tour, plus vous avez besoin de précision et ce sera important pour votre jeu. Maintenant, que ce soit un ES14 ou même le Mevo ou même, sans pour les citer, mais je les ai pas tous en tête, mais il y en a pas mal qui sont sur le marché, ça peut déjà être mieux que vos yeux ou un practice relativement pauvre qui n'a pas assez de cible. Mais peut-être que Guillaume, tu peux compléter là-dessus. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Bien évidemment que, et on est là pour, on est vraiment là pour rien vendre. On va être très clair. On sait que le Trackman est l'outil le plus précis, mais comme le dit Cédric, ça dépend de votre niveau. Et bien évidemment que si vous avez un outil de mesure, utilisez-le avec Spider. Je dirais les deux ensemble forment un parfait complément, en tout cas avec Spider Practice. Donc oui, un ES14, un Mevo, n'hésitez pas, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser, bien évidemment aussi. Et par la suite, si vous sentez que vous avez besoin de plus de précision, effectivement, passez à partir de ce moment-là au Trackman. Une dernière petite question avant de passer à ton élève, Cédric, Ariel. mais j'ai trouvé ça Oui. une question très intéressante de Jean-Philippe Serre Sûr. qu'on salue, bien évidemment. Que fais-tu, Cédric, si par exemple tu choisis de jouer un coup sur le green et que tu veux jouer par exemple 5 mètres à gauche du drapeau et que par hasard la balle finit à 10 cm du trou avec un fade involontaire? Dans ces cas-là, la balle finira à 4,90 m de votre cible. Donc vous mettez 4,90 m sur le grid et lorsque l'application vous demande de rentrer la distance par rapport au drapeau, vous mettez les 10 cm. Et comme ça, c'est l'application qui s'occupe du calcul pour vous. Très bien, et ça, je pense que c'est hyper important de le mettre en avant. Bien Ton sûr, application, il y a deux bien sûr. choses, il y a par rapport au drapeau et la cible que tu visais. On est d'accord Tout là-dessus, à hein? fait. Tout à fait. Une Super. fonctionnalité exclusive qu'il faut mettre en avant et qu'il faut exploiter. Il y a certains utilisateurs, malheureusement, qui n'ont pas forcément, et c'est sûrement de ma faute de l'avoir mal montré dans l'application et dans les tutos, qui n'ont pas forcément compris qu'il faut identifier ce point comme leur cible, et du coup, ils mettent tout le temps le drapeau. Et je trouve ça dommage parce qu'ils pourraient exploiter d'autres données et des données très pertinentes s'ils le faisaient correctement avec la cible. Donc j'espère que ça va éclaircir ce point-là pour tout le monde. Ah oui, Jean-Philippe nous remercie. Dernière question. Phil Golley, intéressant quel coût? 60 euros par an pour Tout à l'application. fait. Et Nicolas Songy, données junior par catégorie. Est-ce que tu vas C'est oui, avoir c'est des en benchmarks? construction. Comme a dit Raphaël très justement et Guillaume l'a soutenu, plus on a de data, plus c'est riche, plus c'est intelligent. Pour ma part, les utilisateurs se multiplient au jour le jour sur Spider et je ne peux pas vous remercier assez. Et dites-vous bien que plus j'ai des utilisateurs, plus j'ai des datas, plus j'ai des datas, plus je peux me permettre de sortir des benchmarks qui sont fiables. Je n'ai pas envie de sortir une mesure qui n'est pas suffisamment correcte. Je trouve que ça décrédibilise le produit et ça décrédibilise mon message. Donc oui, c'est en construction. On a déjà pas mal de mesures sur les U16 et les U18, mais j'attends d'en avoir un petit peu plus avant de le sortir. Super. À toi, Cédric, tu as un quart d'heure pour nous parler d'Ariel. Oula. C'est ça, Ariel? Ariel. Alors Ariel, déjà, je la remercie de nous donner l'opportunité de regarder ses stats. Elle est adorable. Elle est très investie. C'est une élève que j'adore. Bien évidemment, je les adore tous, mais on a tous nos préférés. Aïe, 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 je vais rendre des jaloux. Non, non, j'ai mon petit trio que j'adore et elles sont très investies. Elles viennent tous les week-ends. Elles travaillent. Elles s'engagent à fond. Ce sont des élèves pour moi que j'appelle modèles. C'est un régal de les avoir. Donc, merci à elle, merci à Hélène, merci à Sylvia, merci à Sandrine. Enfin, bref, je vais pas toutes les noter, toutes les citer, mais ça me fait plaisir. Et si elle nous regarde, un gros bisou à vous. En regardant Et Ariel des est venue petits me cœurs pour voir. Cédric, alors. Ah, voilà, super. Alors, Ariel est venue me voir il y a 1 an et demi, 2 ans, mais plutôt vraiment travailler cette dernière année avec un problème récurrent, un problème du coup d'épaule qu'on peut connaître et identifier, avec une balle très coupée, notamment sur le driving, un mauvais impact, donc une distance qui est réduite et une dispersion vers la droite. Donc, le problème, c'est que l'identification était relativement claire pour moi. Ce problème-là l'empêchait de toucher suffisamment de fairway, qui l'empêchait de toucher suffisamment de green, donc elle plafonnait. Donc, il y avait vraiment ce premier travail à mettre en place avant de pouvoir aller sur un autre compartiment ou du moins sur un autre niveau. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ces datas par rapport au travail qu'on a mis en place. Et donc, regarder le driving où il est Ah, aujourd'hui attends. et vous proposer le prochain travail qui sera la deuxième étape où on va par la suite.
Alors ça c'est donc Donc le je premier vais. travail, pardon, parce que je viens de mettre, j'avais pas vu que tu étais en partage d'écran, je viens de mettre le partage d'écran. Tu viens de mettre le partage d'écran. Très bien, ben non, ben je commence. Génial. Donc là, on a ça, toile de performance, et on peut voir tout de suite un petit bug sur le sandwedge, et je vous raconterai l'histoire du sandwedge après, vous allez voir, c'est assez drôle. Oh, sinon, la performance, bien évidemment, driving, putting, qui sont driver, putter, qui sont les clubs importants, nettement inférieurs à ceux d'Adrien, mais c'est normal, c'est pas le même niveau. Par contre, elle a quand même une toile relativement homogène, mais on va voir que cette toile peut lui poser problème, et on va regarder ça en détail. Donc, on rentre à l'intérieur de la toile, et là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'effectivement, indépendamment du fait qu'on voit les balles mal touchées qui sont, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup, qui sont à droite, on a quand même un point qui vient se recentrer vers le milieu, et on a une bonne masse, parce qu'elle a bien travaillé justement là-dessus et elle a réussi à implémenter ce que je lui ai demandé de faire. Avec un rayon de 16 mètres, 92 balles sur 116, je trouve ça très pertinent et très performant pour son niveau. Donc bravo à elle sur le travail réalisé. Maintenant, lorsqu'on swipe, on voit que c'est court, notamment les mal touchés. Il y a beaucoup plus de mal touchés qu'Adrien, c'est sûr. On le voit dans le pourcentage. Les hybrides, elle aime bien. Là, le fer 5, ça commence à être plus large et c'est plus court. Court encore, court encore, court encore, et ça y est, on commence à avoir une première tendance qui est une tendance de ne pas arriver à sa cible. Bien évidemment, ça va lui poser des problèmes pour les attaques de green. Donc, on poursuit le travail, et lorsqu'on va dans l'analyse du coach, alors vous vous rendez bien compte, étant donné qu'elle est mesurée par le tour, son stroke gain est à moins 20, c'est une réalité. Cependant, le compartiment, c'est-à-dire de 1 à 5, le ratio reste le même. Donc, c'est intéressant de voir que c'est aussi les attaques de green qui lui posent le plus de problèmes ou qui posent le plus de problèmes en référence avec ce benchmark-là. Pourcentage de qualité 74 est inférieur à sa moyenne. J'aimerais le voir à 78, 79. Au tableau de comparaison, elle est à 14,3 en comparaison alors qu'elle est à 12 d'handicap et on a notre prochain levier qui est en dessous de 10, elle veut breaker la barre des 10, et donc du coup, on va commencer à regarder les chiffres en dessous et comment la comparer par rapport à ça. Donc elle a déjà 9,6 fairway, le travail qu'elle a fait est magnifique, elle en a juste besoin de 6 pour jouer plus 9, donc plutôt positif. Par contre, il lui manque 3 greens en régu à peu près, au niveau du putting, ça va, il lui faut un birdie en plus en moyenne, il lui faut 3 par et demi en plus en moyenne, et il faut enlever 4 bogeys. Donc le scrambling, les approches putt, on va essayer de les augmenter, mais surtout les attaques de green, on va les augmenter. Donc là, en regardant sur le compartiment numéro 5, c'est là où on va voir un petit peu plus en détail ce qui se passe dans les attaques de green. On l'a vu tout à l'heure, elle était courte de sa cible. Dans les attaques de green touchées, elle va être courte du green, forcément. On regarde total, en dessous de 100 mètres, 100 à 150, au-dessus de 150. Donc c'est valide. Elle n'arrive pas jusqu'au green. Est-ce que ce sera un problème de club qu'elle a sélectionné ou est-ce que c'est un problème d'impact? Ça, après, on voit ça en indépendance. Pardon, on voit ça en cours avec elle. Mais au moins, on a déjà l'info. Maintenant, quand je regarde un petit peu plus bas, et je vais voir que dans ses par 4 en régulation, elle est qu'à 20%, et par 5 en régulation, elle est à 23%. Même si le par 3 est plus élevé, il reste assez faible, mais c'est là où ça me pose problème, et c'est là où j'aimerais avoir un petit peu plus de green touché sur cette tendance-là. Donc, je sais que je vais orienter mon travail sur sa qualité d'impact. Je sais que je vais orienter également mon travail sur sa trajectoire, parce que même si elle était courte, il y en avait certaines qui étaient un petit peu à droite. Donc, on va maintenant travailler sur la compression. C'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place. Assurer que le contact soit bon pour qu'elle fasse sa distance. Et déjà faire sa distance va pouvoir lui donner l'opportunité de toucher beaucoup plus de green. Donc, ce sera le premier travail. On a dit que le deuxième compartiment important était le putting. Allons jeter un coup d'œil au putting. Et donc là, sur le putting, on a moyenne de birdie conversion 11% pour son niveau, OK. Par contre, moyenne de par conversion 24%, ça c'est trop faible. Donc on va sur la data qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire un peu de pourcentage. Et là, on voit que, mine de rien, à part son en dessous de 1 mètre, où elle devrait être à 98%, ce que je considère 80, elle perd pas mal de coups bêtes là-dessus, certes, notamment de 1 mètre à 5 mètres ou même 6 mètres, elle est presque dans les datas du tour. Donc félicitations, le pourcentage de putt rentrée est correct. Donc ça veut dire quoi? Quand j'ai un bon pourcentage de putt rentrée, ça veut dire que j'ai un problème de contrôle de distance, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Et quand je regarde maintenant son 3 putts, dans son 3 putts,
C'est là où je vois que les trois putts commencent à apparaître, bon, à partir de 2 à 4 mètres, mais le chiffre n'est pas suffisamment conséquent. Par contre, ça commence entre 4 et 6. Et là, à 12% entre 6 et 9, et encore plus sur la suite, étant donné qu'il y a pas mal d'occasions, on peut le voir, 33, 23, 25. Donc, ça commence à me donner une information que sa distance contrôle peut poser problème. Maintenant, on va regarder ça de plus près. Si je vais sur la grid et je vais regarder son putter, c'est là où on voit que les putts sont en conséquence très courts, très écartés, et on va le voir par rapport à la distance. Des 1 à 2 mètres, il y en a qui sont très courtes. Là, c'est un petit peu mieux, mais encore court. Là, c'est très court, il peut y en avoir à l'extérieur. Là, pareil. Donc, le contrôle de la distance est un problème majeur sur son putting. Donc, je sais que je vais lui faire gagner des points sur ce contrôle de distance au putting, parce que je sais que son pourcentage de balles rentrées est bonne, et je sais que je vais lui faire gagner des points en améliorant son contact de balle sur les attaques de green. Ça lui permettra de toucher plus de green. Voilà son Spider ADN. Encore une fois, le temps est limité, j'essaie d'aller le plus vite possible et j'essaie de résumer un petit peu les datas, mais c'est pour vous dire la façon dont je pourrais travailler. Ça peut bien évidemment être réalisé avant une leçon ou en programmation d'un programme d'entraînement que je vais proposer pour l'obtention d'un objectif bien précis. Là, en l'occurrence, c'est un objectif en dessous de 10. Donc, on sait où on va, on sait comment on travaille, on ne s'éparpille pas, on sait comment structurer les séances. Et avec Spider Practice, on a les outils qui nous permettent de mesurer nos interventions, que ce soit une intervention technique, et là en l'occurrence c'était le coup d'épaule qu'elle a réussi à supprimer de son swing, et je la félicite encore. Et là maintenant, on va se concentrer sur la compression, la prise de balle, la reprise d'appui, le finish vers la cible, tout ce qui va bien évidemment avec, et je sais qu'elle y arrivera aussi, et ce sera pareil pour le putting. Alors, tu as teasé un petit peu les gens avec le problème du sand wedge. Ah oui, tout à fait. Dominique Alors, Judelin, que je salue d'ailleurs, Dominique. l'histoire du sand wedge est très simple. Elle le racontera bien sûr mieux que moi, mais allez, on va dire sur ces 20 dernières parties. Normalement, lorsqu'on joue 20 parties, le sand wedge est utilisé. On est d'accord. Bah, pas Ou elle. alors, faut Elle a fait toucher beaucoup trois de coups. green. Et en fait, pourquoi? Parce qu'elle supporte pas son sand wedge. Elle supporte pas la façon dont elle prend la balle, ce qui est bien évidemment en relation avec la compression qu'on doit travailler. Et donc, elle l'a mis de côté. Le pauvre club, il est tout neuf dans le sac. Je pense qu'elle peut le vendre ou elle peut le rendre là où elle l'a acheté. Elle se fait rembourser, même si ça fait 3 ans qu'il est dans le sac. Enfin bref, ça y est, elle commence à le sortir. Elle le sort notamment aux approches et elle découvre de nouveaux coups. Et elle le sort aussi dans ses coups de 30, 40, 50 mètres. Donc, elle va commencer à en avoir un petit peu plus et j'ai hâte de voir la dispersion. Voilà l'histoire, la petite histoire du sandwich. Tu vois qu'il y a des gens qui suivent, hein. On ne peut pas les avoir, hein. Ouais, merci, merci de me le rappeler. Merci Je encore suis à passé à Dominique, membre son au club, je suis passé Vaudreuil, à. que je salue. Hervé Martignon, tout à l'heure, nous a demandé 60 € c'est le prix de base ou bien il y a d'autres tarifs en fonction de l'utilisation. Cédric, tu m'arrêtes si je me trompe, 60 € et 59 € même si mes souvenirs sont bons, et le tarif premium, c'est-à-dire il n'y a pas mieux, vous avez toutes les fonctions par an bien évidemment, 20 € de plus pour le putting, c'est ça Cédric? Tout à fait. J'arrête le partage pour revenir à l'écran. Ça y est, tu es, je t'ai mis. Super. Effectivement, 59,99, c'est l'abonnement annuel. Il n'y a pas de sélection dans le premium. Je donne tout le premium d'un coup, que ce soit les parties shot by shot, les clubs du sac automatisés, la Spider Practice et la Spider Communauté. Donc, ça fait partie du même package. Mais par contre, il y a trois formules. Une formule mensuelle à 7,99. Une formule à 6 mois qui est à 39,99 et une formule à l'année à 59,99. Spiderput étant une autre application, une application où je me focalise beaucoup plus sur le putting, elle est une application indépendante et elle est à 20 € 19,99 à l'année. Question intéressante de Julien Lapouge. Comment vous considérez une balle bien touchée pour l'application? C'est une très bonne question. Alors, on en avait parlé rapidement la dernière fois, et je peux le rappeler. C'est personnel, mais un coach peut aider. Je m'explique. Certaines personnes connaissent le gear effect, c'est-à-dire le vol de balle qui est affecté par le Le centrage. toucher
par le toucher de la balle. Dès qu'on voit que le vol n'est pas normal, alors bien évidemment, on le voit beaucoup plus quand c'est flagrant, que ce soit une top, une gratte ou une socket, là c'est facile. Mais quand c'est un vol de balle et la balle ne fait pas la distance, ou alors elle a une courbe qui est étonnante, ou alors le vol de balle est tout simplement affecté par autre chose que les conditions météo, donc le toucher. Là, on considère qu'elle est mal touchée. On peut le ressentir dans les mains quand on a la capacité de le faire, mais on n'a pas tout le temps la capacité de le faire. Mais si jamais, pour vous simplifier la tâche, si jamais vous avez une balle qui fait la distance, qui a à peu près le vol de balle normal, vous embêtez pas, marquez bien touché. Ok. Sachant que le bien touché, si je peux résumer, Cédric, est-ce que tu peux associer mal touché et mauvaise technique? C'est-à-dire même si la balle, par exemple, est prise au centre, parfaitement au centre, tu Oui. sens que le contact était Oui. magnifique, mais que la Oui. trajectoire, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a un coup Bien d'épaule, qui sûr. revient Bien par-dessus, sûr. extérieur-intérieur, avec une Bien orientation de face sûr. très à droite, une balle qui a eu énormément d'effet gauche-droite, même si elle est bien centrée dans le club, tu mettras mal touché. Non, c'est très important de faire la différence entre D'accord, les très deux. Pourquoi? important. Oui, étant donné qu'on a le grid et la dispersion de la balle, on va pouvoir identifier cette dispersion. Donc on la met de côté. Ce sera la performance du coup. Le pourcentage du bien touché va justement nous dire si c'est à cause du toucher ou c'est à cause d'autre chose. Donc pédagogiquement parlant ou dans l'analyse, c'est important de différencier les deux et il faut toujours les séparer dans la prise de data. Super. Je suis désolé Cédric, hein, c'est pas pour te stresser. Sur les deux dernières questions, on nous parle deux fois d'Android. OK. L'application va-t-elle arriver sur Android? Oui. Pierre, que je salue, intéressant, va Oui. tester tout ça, bien sûr. Pierre, pour les parents, Avec pour grand les plaisir. enfants, Pierre, si tu vois ce que je veux dire, avec grand plaisir. C'est le deuxième live et c'est toujours aussi bon. Cédric, on compte sur vous pour la version Android. Oui. Et je compte sur mon équipe. Je pense, effectivement. Écoute, Cédric, merci beaucoup. On a répondu à pas mal de questions. Question de Patrick Académique et Patrick Talon, que l'on salue. Quand et où Tout à la fait. prochaine certification? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Où les gens peuvent te trouver, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui veut entendre un peu plus parler de Spider-Golf, où est-ce qu'il va? Pour avoir plus de détails, Bien peut-être sûr. YouTube. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, site internet, c'est facile, spidergolf.fr. Vous avez déjà pas mal d'informations. Vous avez les vidéos tuto, vous avez les vidéos démo. Ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur les deux produits et les offres d'abonnement que je propose. On a ensuite les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spidergolf ou Spidergolf App. Vous pouvez pas les rater. Abonnez-vous. Nous avons également la chaîne YouTube où tous les tutos et les vidéos démo sont réunis là-bas. En ce qui concerne la certification, donc on a fait une certification en français la semaine dernière, jeudi dernier, et j'en ai encore une cette semaine en français également, jeudi 30 à 2h. Il reste encore quelques places. Vous pouvez me contacter par mail cd@spidergolf.fr et je me ferai un plaisir de vous inclure dedans. Pour l'instant, les certifications, et j'ai voulu commencer comme ça, le côté tricolore que je voulais mettre en avant, les certifications sont en français, sont les Français d'abord, et les internationaux après. Cédric, merci mille fois. Allez, encore une ou deux C'est un questions. plaisir. Encore une ou deux questions si vous le souhaitez. Il nous reste 3-4 Allez. minutes. Si vous avez trouvé ça génial, des pouces et des cœurs. Si vous avez trouvé ça pas terrible, pas de pouces, pas de cœurs et des têtes qui vont. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, n'hésitez pas. Pour moi, il est évident que c'était extrêmement intéressant et j'insiste là-dessus à tous les niveaux. Que ça soit si vous êtes. Si vous débutez le golf, si vous êtes encore plus si vous débutez le golf, si vous êtes au-dessus de 24 d'index, souvent les gens me disent non, mais ça c'est pour les pros, c'est pour les gens qui jouent très bien. Absolument pas. Au Bien sûr. contraire, ça vous permet Bien d'avoir sûr. une vision objective de ce que vous faites. Donc c'est pour tout le monde, à tous les niveaux, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est pas extrêmement cher, 60 euros par an, c'est 5 euros par mois, c'est à mon avis, assez abordable par rapport à la pertinence que ça a et ça vous fera énormément de bien si vous souhaitez performer. Encore un live au top, Guillaume, merci. Ça donne envie d'aller travailler pour atteindre mon objectif de 10 d'index à la fin de l'année. Absolument. Merci et toujours aussi passionnant. Super. Merci. Très intéressant. Merci, messieurs.
Travail remarquable de Cédric, de Joël Bernard. Merci pour lui. Super live d'Eric. Merci. Écoutez, merci à vous tous. À ce soir, je vous retrouve encore, vous me voyez beaucoup aujourd'hui, à 17h avec Lewis Wallace. On va vous parler de la balle de golf avec Benoît Delcorme de chez Titleist, la fameuse Pro V1 entre autres. Et on va décrypter un petit peu avec vous ce qu'est une balle de golf, pourquoi elle spin, pourquoi elle tourne, pourquoi en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la balle de golf, c'est à 17h sur les antennes du Journal du Golf. Merci Cédric, merci à vous tous et à très vite. Merci à toi Guillaume, merci à vous tous, à très bientôt. Merci.